dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu, tout les gens? Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os et de son sang et de sa cervelle naquit le monde. Le monde où nous marchons et guerroyons. Le titre, je vais le faire depuis le téléphone parce que j'ai peur que, en faisant un énième retour Windows, le jeu crache encore. Oh, je peux marcher, incroyable. Oh, je vois un gosse. C'est nouveau, ça. Voilà ma petite reine. Bah. Alors, tu as vu notre roi? Ouais, bien. Approche. Tu as trouvé le brassard? Bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu le verras parler, approche aussi discrètement que nous. Et surprends-le avec notre cadeau. Tiendras comme ça, tu le regarderas et tu diras: roi Styrbjorn, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu vas faire ça pour moi? Mm-hmm. Bien, ce soir, tu seras la corde qui unit notre peuple. Et je suis très fier de toi, Eva. C'est une fille, hein? Bah, ça ressemble, enfin, il ressemble à une fille au niveau de sa voix. Ouvre les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux chez nous. Je trouve le son est très bizarre. Le son est chelou, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Merci, t'es trop grand encore. Ah merde. Alors le problème, c'est si on... Attendez. Rejoindre le menu options. Je vais faire un truc, d'accord, pour être sûr de que ça ne crache pas. Non. Je fais un truc pour être sûr que ça crache pas. Voilà, comme ça je m'abaisse. Voilà, là c'est bien là. C'est mieux comme ça. Vous me dites hein, s'il faut que je m'abaisse encore un peu. Bon, on va partir du principe que c'est bon. J'ai un cadeau pour ton père.
Oh, que c'est beau. Ça doit valoir au moins deux robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le cèdre de Valka fait parler mon marteau. Alors, à quoi je peux jouer, là? Wesh, il sort ça d'où? Ouais. Il me semble que les voix françaises est un des mini points faibles. Ah ouais? Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère? Oui? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Oh. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Alderoi, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. Qui parle. Ah bah je suis obligé d'aller là-bas. Je voulais aller voir la grand-mère mais apparemment je peux pas y aller. Bah bien d'où elle. Ugh!
Attends ici. C'est à mon tour de t'offrir un marché, Katanisque. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour! Ne l'écoute pas! C'est notre père, ça? Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine! Non, Varine! Protage! Comment ça, je suis dur? Ils ont pas voulu montrer la mort du mec. Par contre, la mort de la femme, ça, on s'en bat les couilles. On va avoir encore le droit à des gens qui vont gueuler contre ça. Oh, c'est joli ça. Hein. Moi, je suis pas en full. Dur. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe que c'était le nom du mec. Moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. C'est quoi ce truc? Parfait. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Mais c'est quoi? Mais c'est qui eux? C'est qui eux? Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers, 18... Bordel. Suis-je partout dans tes rêves? As-tu chauffé les reins? Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couar. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Est-ce que ça bug chez vous ou pas du tout? Ça a l'air de bugger. Hein. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Tant, Et tu mourras seul. Ça devrait pas, hein. T'as regardé quand même l'utilisation de la carte graphique à 98%, quoi. Des loups n'existent plus. Ce nom disparaît de ce monde. Ça bug, ça rame, ouais, on est d'accord, ça rame. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein. Au navire. J'ai la 1080. Au moindre geste. Je t'arrache les yeux, tu entends?
souffle dessus. Après, ça se trouve, c'est vraiment à cause de la rame. Hein. Encore une fois, on a toujours le même problème. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Alors, regardons si ça bug. Oh là là, tu peux rien faire. Ça plante. Putain, mais nique ta mère le jeu là. Tu payes un jeu 100 balles et ça plante. Ou alors faudra attendre du coup faudra attendre que je mette ma carte mère, enfin mon alim et ma RAM. Le problème là c'est que ça va être injouable en fait. Enfin, ça va être jouable mais pour vous ça va être dégueulasse. On va recommencer, mais... Ouais, j'ai le seum. T'achètes un jeu à 100 balles et il crache, quoi. On va recommencer, vous allez me dire si ça bug ou pas. Non, je crois que j'ai la synchro verticale, non ? Non. Pourtant, tu sais, des fois, faut pas se poser de questions, hein. Bon. Allez. Du coup, maintenant que j'ai surélevé l'écran, faut que je me réhabitue à garder le dos droit. Et ça, putain, à force d'avoir le dos courbé, je peux vous dire que ça fait mal. Bon, vous me dites si ça bug ou pas. Si c'est regardable. Si c'est pas regardable, on arrête. Hein. J'ai pas envie qu'on fasse le truc alors que c'est dégueulasse. Ça va mieux. C'est quoi ça, c'est pour me soigner ? Oh. Mais je comprends pas pourquoi sur OBS ça bug en fait. Tu peux péter les portes. Je me sens mieux.
Alors, à quoi ça sert le truc en bas à gauche? Balle de cuir. Oh. Ça va, ça bug encore ou Attendez, c'est une blague là, il y a un pigeon qui m'empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh merde! Oh non, j'ai tapé. Bon bah, t'avais qu'à me laisser avancer. On découvre les bugs du jeu. Par contre, ça va me rendre dingue. Comment on enlève ces putains de notifs? Pas enlever les notifs. Peut-être là. Non, c'est pas là. Putain. Je dois me taper les notifs du coup. Ration au complet. Ok. Oh. Ma fille. Dis donc. Alors, il faut que j'aille à 13 exactement, je ne sais pas combien de mètres. Bah écoutez, on y va. Hein. Yo Jo, comment ça va? Bien et toi? Bah ouais, tranquille. Oh, j'entends un bruit. Oh, je l'ai... Oh, incroyable. Il s'est décalé, du coup j'ai pu lui tirer dedans. C'est trop bien ça. Alors, F, ça correspond à quoi? Ok. Donc je récupère des sabots de cervidés, du cuir et j'ai récupéré ma flèche. Et là je récupère du cuir. Très bien. C'est là que ce briseur de serment retient mon équipage. Ok. Il fait pas le saut de la foi. Je m'attendais à ce qu'il fasse le saut de la foi, mais il l'a pas fait. Est-ce que ça bug du coup encore ou pas du tout? C'est un des hommes de Kyoto V. Je dois rester prudent. Ah oui, je l'ai désactivé. Ah, je peux peut-être l'assassiner. Les gardes sont vigilants par ici. Alors, attendez, verrouiller la cible. Et appuyer sur Maj et clic gauche pour une attaque. Je peux pas l'assassiner? Bah non. Je peux pas l'assassiner? Mais vous vous rendez compte? J'ai pas pu l'assassiner? Pourquoi je pouvais pas l'assassiner?
Peut-être plus tard. Je rentre dans une zone interdite par contre. Pas encore, ok. C'est bien ce que je pensais du coup. Bien sûr, il y a peut-être encore moyen de désactiver un peu d'HUD, genre la quête en haut à gauche. Mais si je désactive la quête en haut à gauche, ça va être compliqué. Bon, comme je pense que vous avez pu le voir, hein, j'ai désactivé énormément d'HUD pour garder l'immersion. Je garde quand même la boussole constant et... Dis donc Ubisoft, il y a un peu de foutage de gueule là quand même. Je vous jure. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Mode stationnaire. C'est quoi en jaune? En jaune, c'est les richesses. En bleu, c'est les mystères. Et en blanc, c'est les artefacts. Donc là, j'ai ping le truc. Et là, du coup, je le vois de loin. D'accord. Ok. Y a rien pour rentrer là-dedans? Ah, j'allais dire. Ordre 2. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je veux dire. Ordre de truc mûche. Prépare l'enfant de Varine pour le marchand d'esclaves. Tu peux te servir des autres pour ton sacrifice de sang. Ah! C'est un sacrifice de sang. Ah non non hein. Ah non non, y a pas sacrifice de sang. Hein. Ah non non. Ah non non. Non, c'est mort. C'est hors des de question. De Kyotve. Il ne faut pas qu'il me voie. Des guerriers de qui? Ah merde. Je passe à côté des mecs, moi je m'en bats les couilles, frère. Passe à côté d'eux, moi je suis vraiment en mode bas les couilles. Bon, ça a l'air de bug encore, hein. Je sais pas si on est d'accord. Ah, il a une armure. J'ai l'impression qu'il a une armure. Ouais, il a une. L'accès à cet endroit est interdit. Et puisque le prince Sigurd est sûrement perdu en mer, les grands corbeaux ne sont qu'un souvenir. Je pensais que je l'arriverais à les détruire ou pas. Bon, allez. Reviens là, bâtard. Oh, pas mal ça. Je peux les fouiller ou pas? Je peux toujours pas les fouiller par contre. Alors, comment je fais pour me soigner? Je ne sais pas non plus. Oh, ça a l'air de bugger encore. J'ai raté. Reviens. Oh, touché. Bon, apparemment t'as besoin que d'une flèche hein, pour tuer les cerfs. Oh, sérieux, juste du cuir? Oh frère, t'abuses.
trop bizarre, ça bug pas tout le temps en plus, c'est trop bizarre. Je sais pas comment on enlève les emotes là qu'on voit en haut à droite. Oh! C'est quoi ça? Zone indisponible dans mémoire en cours. Ouais, gros. Vraiment la RAM. Ouais, je pense, hein. Je pense que ça doit être vraiment la RAM. Et ça me gave. En fait, j'hésitais. Oh, regardez le numéro, il est en Sano 1800. Le boss. J'hésitais à le faire ce soir, justement à cause de ça. Oh non, ça bug trop en fait. Ça bug trop. Vieux chien, tu es vivant. Bon, vous savez quoi, je pense qu'on va pas continuer. Hein. J'ai pu ça me faisait la même quand j'avais des problèmes de RAM. Piot V a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Piot V, il s'appelle. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire, tu irais les sauver toute seule pour que l'on chante tes exploits. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire et déployer la voile en triomphe. Non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, pourtant, je te retrouverai pourtant, au navire. Pourtant là, RAM utilisée 10 gigas. Hein. Donc, alors à moins que ce soit les 10 gigas que le jeu consomme. Donc sans compter la RAM utilisée à côté. Donc, mais ça me fait la même chose en fait quand je suis sur Warzone. Donc je suis quasi sûr que c'est la RAM en fait. Est-ce que je peux faire un retour Windows? Oui, mais c'est la merde. Bah ouais. Il a crash. Ah non, il a pas crash. Ok, bah nickel. Du coup, je vais regarder la RAM utilisée sur mon ordi. La RAM, là, je suis à 67%. On va aller dans performance. C'est aussi peut-être pour ça que ça crache. En fait, quand ça crache quand je dis à OBS de mettre le jeu pas en mode capture d'écran, mais en mode capture de jeu. En fait, quand OBS prend en compte le Valhalla, il crache. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on termine la quête là quand même? Ou est-ce qu'on s'arrête là et du coup on jouera vraiment au jeu genre jeudi après-midi et jeudi soir. Comme ça au pire jeudi après-midi on rattrape tout ce qu'on n'a pas fait ce soir. Et là ce soir on va faire autre chose je pense parce que j'ai pas envie que vous enduriez un live qui bug en fait.